Marsan, premier jour, 10 ans de musique actuelle au lycée, avec l'ivresse d'essence. Ça nous paraissait important pour ces 10 ans d'avoir des artistes aquitains, et notamment des gens qui avaient déjà participé à cette opération-là, avec Daguerre qui avait fait la tournée, et Calam qui avait fait la tournée avec Il Faro aussi. Donc, alors, nous avons démarré cette opération de musique actuelle au lycée sur une proposition, sur une demande même, je dirais, de l'éducation nationale, autour d'un projet général qui s'appelle l'écriture, le texte en général. Comment réaliser, comment se réalise une chanson, hein, on parle beaucoup de chansons françaises, le texte, l'écriture. C'est à partir de cette idée que le projet est né. Donc on est là aussi pour essayer de tourner un peu les têtes et les oreilles ailleurs que sur les genres musicaux qu'écoutent les lycéens. On me disait ouais, qu'il y avait un intérêt par rapport au texte et par rapport aux thématiques que je soulevais sur des textes parlant des discriminations, parlant des textes citoyens en fait. Et je me souviens qu'il voulait un premier artiste comme ça qui interpelle les lycéens. Le public lycéen, entre autres, hein, est un public privilégié pour tout ce qui est lié aux musiques actuelles. Donc je pense qu'il est carrément de notre devoir, de travailler sur ce projet. Ça nous colle bien, je pense, par rapport à l'esprit de l'association et puis par rapport aux actions qu'on peut mener ici. L'activité scolaire, on est en milieu rural et c'est vrai qu'on a ressenti vraiment une forte demande des établissements scolaires autour. On a beaucoup écouté le CD en classe et j'attends moi maintenant demain d'échanger ou déjà dans le bus avec les élèves pour voir ce qu'ils en ont pensé. Grand merci. C'était un super beau concert. Un beau concert plein de générosité. Observé de tous les côtés, ton obésité te paralyse. Tu sens ce boulet dur à traîner quand tu vas à la piscine. Le regard des autres t'assassine. Tu as envie de couler, mais une force en toi résiste. Dans ton cœur, tu sens une chaleur qui prend ton corps à vie, se blottit, grandit, et comme un volcan, tu exploses de fureur. Pendant le regard des autres, tu te sens banni. Tu te sens jaugé d'un seul coup d'œil, rejeté, maltraité, ton homosexualité est une obscénité, te met de côté. Tu es rejeté, écroué. Les murs d'acier blindés te sent perdu et triste. Mais une force en toi résiste.